retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être ma vidéo haul Evoluderm. En fait, il n'y a pas très longtemps, enfin si là du coup il y a longtemps maintenant, il y a à peu près un mois je crois, j'avais posté sur ma page fan Facebook ma commande en fait que j'avais passée parce qu'il y avait pas mal de produits Evoluderm que je ne connaissais pas. Et donc du coup j'avais un peu craqué, j'en avais eu en tout pour 28 euros. Et donc du coup bah, je l'ai reçu dernièrement et donc du coup je vais vous présenter en fait. Donc pour remettre dans l'histoire, en fait, c'était un dimanche matin. J'étais en rade de lait corporel, d'exfoliant, de dissolvant, tout ça. Et du coup, j'ai vu une vente privée, Evoluderm. Je me suis dit, c'est quoi? Je connais pas trop, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas? Parce que les prix étaient plutôt attractifs. Alors, la chose qui m'a fait craquer au départ, donc, comme je vous disais, j'étais en manque de lait corporel. Et j'ai vu ça, en fait. Donc, les deux bidons, ils font 500 millilitres. Et c'était les deux bidons pour 5,50 € au lieu de 22. Donc là, c'est l'écor hydratant karité sans parabène. Made in France. Donc ça, c'est bien. Je sais pas si je vais... Ouais. Made in France. Donc 500 millilitres, c'est juste énorme. En plus, flacon pompe comme ça, c'est trop bien. Donc du coup, bah, rien qu'un flacon comme ça, 500 ml, lait corporel en général, les 250, je crois que ça doit être 4 ou 5 euros. Et là, je me suis dit, les 2, 5,50 € au lieu de 22, bah, j'étais trop contente. Après, je connais pas du tout la marque. Donc du coup, je vous ferai un retour dans mes favoris ou dans mes flops si ça ne convient pas du tout. Mais j'espère vraiment ne pas m'être plantée. Hein. Donc du coup bah, j'ai craqué quand même pour le lot 2, après je verrai parce que je savais très bien qu'il allait avoir les promos Leclerc et que j'allais me lâcher. Donc du coup bah, j'ai pas pris plus que ça. Déjà je teste et si ça me plaît, bah, j'hésiterai pas à recommander s'il y a une autre vente privée sur Showroom. Donc d'ailleurs je vous mets le lien de Showroom privé en barre d'infos ainsi que mon lien de parrainage si ça vous tente de commander. Du coup ça nous permet quand les abonnés d'avoir 10, je crois, ou 12 euros, un truc comme ça, de réduction sur nos prochaines commandes. Donc si ça vous intéresse, en même temps, vous ferez une heureuse. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le lait corporel. Après, j'ai craqué aussi pour l'huile de jojoba. Donc en fait, ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos de youtubeuses qui se démaquillent avec de l'huile de jojoba. Et quand j'ai voulu aller sur Aromazone, j'ai vu que l'huile de jojoba était genre à 8 euros. Je me suis dit 8 euros pour un démaquillant, parce que moi je voulais m'en servir en démaquillant, pas en huile pour cheveux ou en huile pour hydrater le corps. Je voulais vraiment que me démaquiller avec pour faire le test. Et 8 euros, je me suis dit c'est pas possible quoi, je peux pas mettre 8 euros dans une huile, pas possible quoi. Et donc du coup j'en ai profité, j'ai vu le. Donc quand j'ai vu la vente Evoluderm, c'est ça qui m'a fait aussi craquer, c'est que l'huile de jojoba était à 3 euros au lieu de 8. Donc c'est les 100 millilitres. Donc là, c'est huile de beauté de jojoba, protège, nourrit, sans conservateur, sans parabène, 99,8% naturel. Donc apparemment, c'est pas l'huile de jojoba super, parce que c'est pas la première pression, je sais plus trop ce que mon frère m'a dit. Mais bon, après, c'est pratiquement 100% naturel. Je vais tester et puis bah, je vous en dirai des nouvelles. Donc du coup je pense sûrement vous faire une vidéo première impression. Je suis désolée, je vois pas les voisins qui passent en même temps. Je pense vous faire une première impression en fait de maquillage au jojoba en fait. Donc je pense qu'un soir je filmerai dans ma salle de bain et je vous montrerai comment je démaquille. Mais là j'ai pas un maquillage super fourni, vous me direz. Le jour où j'ai un maquillage bien noir, bien marron, bien chargé, je vous ferai le démaquillage. Et voir en même temps pour première impression si je trouve que ça laisse un film gras, si ça démaquille bien, à ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à mettre un commentaire dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir la vidéo du démaquillage avec l'huile de jojoba. Mais enfin bref, bien contente de l'avoir trouvé à 3 euros au lieu de 8. Ça me permet de tester sans me ruiner. Voilà. Ensuite, donc... Après l'huile de jojoba, j'ai vu qu'il y avait une huile de massage. Donc c'est pas sincèrement essentiel, mais bon, je l'ai vu, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en général, les huiles de massage, c'est quand même assez cher.
Et là, c'est pareil, elle était à 3 euros au lieu de 8. Alors, par contre, là. Ah, si, si, il y a la même contenance. Ah, c'est le packaging alors. Donc, celle-là faisait 100 ml. Et celle-là fait également 100 ml. Mais je les voyais plus petites. Donc, huile de massage aux huiles essentielles, décontracte, apaise, sans conservateur, sans parabène, sans colorant. 99,8% naturel. Donc, voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Ça a failli ce week-end, mais je suis trop fatiguée. Et, voilà. On sent bien les huiles essentielles après avoir ce que ça donne sur le corps. Donc, un soir où je suis fatiguée, où mon conjoint est fatigué, ou les soirs où on a mal au dos, je pense que comme tout le monde, même si on est jeune, on a parfois mal au dos. Donc je me dis 3 euros, surtout qu'en général, on va pas vider la bouteille sur l'eau. Donc voilà. Donc bah tester. Hein. Je suis pareil, je l'ai pris un petit plus parce que y était et que on avait plus, ça faisait longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ensuite j'ai fait aussi des petites réserves. J'ai vu qu'il y avait un dissolvant, donc un gros dissolvant de 200 ml. Donc le gros dissolvant était à 1,50 € au lieu de 4 euros. Donc 1,50 € le gros dissolvant. J'ai juste envie de vous dire que voilà, c'est tout bon. Donc dissolvant doux à l'huile d'amande douce, imite efficacement le vernis à ongles, protège et nourrit les ongles. Par contre, j'ai pas vu, je pensais qu'il était 111 acétone, mais je le vois pas. Translucide riche en huile d'amande douce pour apporter force et vitalité aux ongles. C'est pas écrit sans acétone, donc j'ai peur qu'il y en ait. J'ai pas fait attention. Ouais, c'est écrit acétone. C'est pas mal, ça par contre. Bon, bref. C'est fait, hein. Donc un gros dissolvant comme ça de 1,50 € 200 ml, comme je fais souvent des manicures avec des paillettes et tout, c'est un petit peu chiant, agaçant à enlever. Là au moins ça sera pratique, j'en aurai une grande quantité et je ne serai pas peinée à voir mon dissolvant qui a coûté 6 euros ou un bras ou un truc comme ça. Parce que j'ai des bains dissolvants mais j'ai acheté celui-là de Lidl à 2,50 € je crois et en fait je suis pas convaincue du tout. Ceux de Kiko, ils devaient être à 5 ou 6 euros, ils étaient pas trop mal. Je vois qu'il y a ceux de Bourjois aussi, avec l'huile de soin et tout, qui m'intéressent. Mais bon, 8 euros en dissolvant, ça fait un peu cher. Enfin bref, 1,50 € ça va très bien faire l'affaire. De toute façon, je vous en retirerai des nouvelles. Voilà. Ensuite, donc, j'étais toujours dans ma folie crème pour les mains, on va dire. Et donc, j'ai vu une crème main nourrissante beurre de cacao. Et en fait, pendant ma grossesse, j'adorais les produits Palmer's au beurre de cacao. Et quand j'ai vu la crème pour les mains au beurre de cacao, je me suis dit, bah, prends-la toi, quoi. Donc, crème main nourrissante beurre de cacao, formule sans parabène, peau très sèche. Et là, c'est juste la méga crème. Donc, je pense que vous voyez ma main et vous voyez la crème. Je reviens. Ça, c'est juste sur mon bord de lit. Donc voilà, la crème que j'ai achetée, elle fait 150 ml et une crème l'Occitane que j'adore qui fait 30 ml. Donc la différence est juste. Voilà. Donc je me dis qu'avec une grosse crème comme ça, j'en ai pour toute une vie. Donc je pense que je vais la laisser dans la salle de bain et elle servira pour le matin ou pour le matin ou pour ma fille après le bain ou ce genre de choses. Après, elle sait de brosser les dents et on sait qu'on va se coucher. Donc après, sincèrement, celle-là je l'ai achetée parce qu'elle était à 2 euros au lieu de 6. Donc 2 euros une crème pour les mains, c'est pas très cher. Surtout pour 150 ml, voilà. Mais niveau packaging, si vous devez embarquer ça dans votre sac à main, je vous explique même pas la taille du sac à main. Donc je l'ai pas prise niveau pratique, je l'ai prise juste au niveau prix. Et puis je me dis que ça servira toujours dans ma salle de bain. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des exfoliants corps parce que j'ai deux exfoliants que j'ai eu pour mon anniversaire d'Yves Rocher. C'était fruits rouges et à la vanille qui sont finis. Donc, du coup, j'ai plus d'exfoliants pour exfolier mon corps et c'est important d'enlever les peaux mortes et tout. Donc, du coup, j'en ai pris deux. J'en ai pris un exfoliant corps onctueux karité. Voilà. Alors celui-là il était ouvert, ça ce que j'ai trouvé pas terrible, c'est qu'il n'y a pas de film protecteur, donc c'est un petit peu moyen. Ils sont trop bons. Mais vraiment ils sont trop bons. Donc ceux-là, ils étaient à 2,70 € au lieu de 8.
Donc en général, c'est mon chat qui monte sur le rebord, tout va bien. Il sniffe le téléphone, ça va. Donc 2,70, je me suis dit, pour 200 ml, sachant que The Body Shop, leur exfoliant corps, c'est 15 euros, voire 17 maintenant, je crois. Donc voilà quoi, 2,70 au lieu de 8, même si c'est pas terrible, voilà quoi, au moins j'aurais testé la gamme. Et le deuxième, j'ai pris exfoliant corps onctueux, pareil, argan. Alors si le packaging est un peu craquat, c'est qu'ils ont mis des étiquettes sur tout en fait. Je pense que c'était pour faciliter l'envoi des commandes. Mais bon, du coup je les ai enlevés parce que j'ai un problème avec les étiquettes, j'aime pas ça. Donc pareil, celui-là, l'argan 2,70. Après ils en avaient pas mal d'autres odeurs, mais moi j'ai pris celle-là qui me plaisait. Oh la vache. Donc celui-là, déjà il est au niveau couleur, il est à moitié saumon, c'est marrant. Et franchement, ça donne envie. Après, est-ce que ça va bien exfolier le corps? On verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. Et en fait, j'ai pris pour finir des trucs pour le visage parce que j'avais envie de changer un peu au niveau mes soins visage. De plus prendre des trucs trop agressifs comme Neutrogena avec des exfoliants genre pamplemousse rose ou pamplemousse vert, je crois, ou je sais plus quoi qu'ils avaient fait. Et en fait, je trouve que c'est trop abrasif pour le visage et tout, surtout que j'ai le visage assez sensible. Donc du coup j'ai opté pour un gommage. Donc gommage doux à l'extrait d'aloe vera, élimine les cellules mortes, la peau est douce et éclatante. Alors du coup quand je vous montre le produit, ça me fait toute noire. Et là quand je vous le mets d'ici, vous voyez rien. Donc c'est 150 ml. Le gommage doux Evoluderm, riche en extrait d'aloe vera et en grains exfoliants, élimine les cellules mortes, facilite le renouvellement cellulaire de la peau. Enrichi en glycérine, ce gommage hydrate, nourrit tout en respectant l'équilibre naturel de votre peau. Votre peau est fraîche et votre teint est éclatant. Voilà, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Donc le gros, les 150 ml, donc le gros format comme ça pour un gommage qui va sûrement durer un an, je pense, c'est 2,50 au lieu de 7. Donc en général c'est plutôt 5 euros si vous prenez un Garnier ou si vous prenez un Neutrogena. Donc là je me dis 2,70. Et là ce qui est bien déjà c'est en format tube comme ça et que c'est fermé. Donc si j'ai 15 000 produits à finir, ce qui est le cas, dans ma salle de bain, je peux le garder 6 mois de toute façon vu qu'il n'est pas ouvert quoi. Et mon tout dernier produit c'est un masque doux extrait de concombre. La peau retrouve sa douceur et son éclat. Donc ça c'est plutôt un masque riche en extrait de concombre, resserre les pores, affine le grain de peau, nettoie votre visage en profondeur, toutes les impuretés sans les agacer, enrichi en glycérine, pareil, hydrate et purifie tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Donc comme je pense que vous avez compris que j'avais un problème avec les pores de ma peau, surtout au niveau du front et au niveau du nez. Donc j'ai vu ça, masque doux, extrait de concombre, ça a l'air d'être très frais, donc je pense que cet été ça sera parfait quoi. Concombre et aloe vera, c'est ceux qui me plaisaient le plus. Il y avait aussi argan et karité, mais c'était pas le truc qui m'emballait plus que ça. Donc voilà, donc en tout, j'en ai eu pour 25 euros, mais il y avait 2,99 de frais de port chez un commerçant de ma ville. Donc j'en ai eu en tout pour 28 euros. Donc 28 euros pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 euros pour 10 produits. Donc ça fait sincèrement pas cher. Après, à voir sur long terme si c'est des produits tout pourris ou si c'est vraiment une super bonne gamme. Là, je suis carrément dans le flou, je ne connais pas du tout. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur Beauté Test pour voir ce que tout le monde en pensait. Donc, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc, après, il faut que je me fasse mon avis propre. Donc, je vous en reparlerai sûrement dans une revue ou dans mes favoris ou dans mes flops. Mais bon, après, comme je vous dis. En guest star, sushi. Donc voilà. Donc je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Tu peux même pas avoir du temps pour moi, les chats. C'est pas ma fille, c'est les chats. Bah oui, je sais, je m'occupe de toi après, mon sushi. Ok? On fait comme ça? Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'hésiterai pas à vous répondre à vos questions si vous avez des questions ou si j'ai pas été claire sur les produits présentés. Je vois sushi dans le retour. Ouais. Donc je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous plairait
que j'avance un petit peu en fait, voir si ce que je fais comme les hauls ça vous plaît ou si vous préférez, je sais pas, pour l'été, des tutos make-up printemps, des petites tenues du jour ou je sais pas, les vernis favoris pour le printemps, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc je vous fais des bisous les filles, je vous dis à la prochaine, bye bye.